Je tiens à me plaindre de mes conditions de travail. J'ai jamais signé sur YouTube pour aller changer des couches de bébé. Des couches pleines de caca. Non, je veux pas y aller. Monsieur, laissez-moi descendre. J'ai jamais signé pour souffrir, ok? D'accord, mais il pleut dehors, hein. Oh. Damn la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui les gens, je ne parle pas très fort puisqu'on est en compagnie de Lucia. Coucou. Ça va Lucia? Tu dis coucou à la caméra? Coucou. Oh oui, les grands sourires. En effet les gens, on est avec Juju et on va devenir parents pendant 24 heures. Ouais, en fait c'est un peu le test pour voir est-ce qu'on est prêt ou pas. Ça va Lucia? Oh, elle est trop belle. Dis Thibaut Lucia. Thibaut. C'est moi ton vrai papa. Je peux la tenir peut-être? Mais vas-y, oh là là. Il prend un peu trop d'initiative, voilà. Tony, j'ai peur. Attention Thibaut, c'est pas une alter. Aujourd'hui les gens, on est chez Laura et Mathieu, donc les parents de la jolie petite Lucia. Ils seront là pour nous guider, pour faire en sorte que tout se passe bien avec Lucia. Ça va être une belle aventure je pense. Allez dis Thibaut, du coup ce qu'on va faire dans la vidéo, c'est qu'on va habiller Lucia. On va lui donner un bain. La changer s'il faut. Et ça c'est le moment je pense qui me fait le plus paniquer. On va jouer avec elle. Lui donner le biberon. À manger et essayer de survivre nous en tant que parents. À cette journée. Vous êtes prêts? C'est parti. Ok les gens, c'est le matin, Lucia est au lit en train de dormir. À travers le babyphone, on peut la voir. Oh, on la voit bouger et tout. Là, du coup, on n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne nous chercher ou qu'elle nous... Non, qu'elle vienne nous chercher au secours. Si, elle va sortir toute seule du lit. On n'a plus qu'à attendre qu'elle nous réclame en fait. Ça marche pas un bébé à 8 mois encore? Non, ça marche vers 1 an. Moi j'ai appris à marcher à 9 mois. Waouh! Ah ouais? Moi j'ai appris à marcher à 10 mois ou 11 mois je crois. Ouais, après moi non. Non mais ça va. Non mais ça y est tout de suite, il faut que monsieur soit plus fort que moi. Thibaut il a commencé à faire du corps à 1 an et demi. Ah ouais, la muscu à 2 ans. Ah, oh, c'est le réveil. Je pense qu'on va aller chercher le bébé. Elle nous appelle, go! Parons jusqu'au bout. Lisa! Coucou! Coucou bébé Lucia. Salut toi. Alors attends, ça comment ça marche? Je ne sais pas. Alors on lui enlève la petite tenue et on la sort? La grenouille. Oui, la petite tenue c'est mignon aussi. Oh, attends les bras, oui. Tiens ma petite bébé. Vas-y, attends. Vas-y. Tiens, mais doucement. Oui, t'inquiète, je vais aller chercher les jambes. Hein. Ouais, elle est stressée, Juju là, mais elle panique. Okay. Vas-y. Hop. Attends, c'est coincé contre moi. Ça va, je suis coincée. Ça commence. Oh la pauvre, elle doit se dire, mais qu'est-ce que je fais avec eux? Oui, ça y est, on a réussi. Ça y est, t'es contente? Lucia, tu sais ce qu'on va faire? On va aller prendre un petit bain. Ah. Elles sont meilleures que moi, je suis à la muscu. N'importe quoi, je suis pas d'accord, tu pues pas, t'inquiète pas. C'est parti pour le bain. Ok les gens, c'est parti, on va préparer l'eau du bain pour Lucia. Donc le thermomètre est juste là. Et là on va mettre un bain à peu près entre 37 et 38 degrés. C'est parti. Oh regarde, qu'est-ce qui fait Thibaut. T'as intérêt de faire tout bien, elle surveille hein. Là il y a Lucia qui m'espionne. On va la changer, on va se préparer Lucia. Oui. Donc là on s'installe ici. Doucement la tête. Ah, doucement, voilà. Oh oui. Non, chut. Non. Ça va Lucia? Elle m'a vu, elle pleure plus maintenant. Du coup, comment on enlève ça? Y'a pas de fermeture. Y'a pas un truc sous les petites fesses normalement? Si, c'est ça, je crois là. C'est au dos. Ah oui, voilà. Ça va, c'est bon? Ouais, on est là. Oh, on est pas prêt avec Juju. Vas-y, fais-le comme un grand. Allez. Alors, super. S'il dit super, y'a rien qui est sorti. One eternity later. Et voilà. Ok, ça c'est bon. Super. On retire ça, tu la tiens? Oh le sketch. Comment on va faire quand on est tout seul? Ça va? Bah ensuite, il faut enlever l'autre, je pense. Ouais. Alors, hey, Thibaut, n'oublie pas l'eau du bain. Hein. Y'a le bain qui coule à côté, mince. Oui, je me suis occupé. C'est bon? Ok, cool. Tu tiens trop bien. Je la tiens. Galère. Attends, oui, mais si tu la tiens, je peux pas passer le haut. Passe en dessous. C'est bon, je la tiens. On se débrouille pour l'instant? Ça va, c'est marrant. Dis ton petit bras. Une pensée à tous les parents qui vont voir la vidéo. Dites-nous si on se débrouille bien. Oh. Ça, c'est le nez de Thibaut. Je l'accorde, il est proéminent. C'est une péninsule. Attends. T'as mais Juju, elle fait la meuf, mais elle gagne autant que moi. La petite tête, oui. Victoire après 10 minutes. Ah ouais, putain, le combat quoi. Elle est paniquée là-bas. On est des professionnels, Lucien. Ouais. Bravo. Oui. C'est de la porcelaine, hein. Ok, maintenant on enlève la coucouche. Comme ça, ça s'enlève. Il la tient comme ça avec le bout des doigts. Alors attends. Y a pas de petit pipi, c'est bon? Non, pas de petit caca. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Ouais. Voilà. Allez, on prend un petit bain, Lucien. Allez, c'est parti. Voilà. Hop, on la retourne. Tu la glisses dans le petit fauteuil. Voilà, elle a l'habitude, comme une grande fille. J'arrive. Vas-y. Oui, on glisse dedans. Alors, voilà. À moi, je vais mourir. Juju, elle est pas douée, tombée partout. On fait le savon? Donc le savon. Elle a vraiment des grands yeux, j'adore. On la met sur les mains. Et là, on va frotter comme ça. Voilà. Et là, tu frottes tout doucement. Oh oui. Elle a dit Thibaut. Faut que t'arrêtes d'entendre Thibaut partout. Hein. Tu discutes, hein. Regarde. Et là, elle est en train de dire, mettez un pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous, hein.
Donc on va recommencer un petit peu. T'as mis la tête en arrière, peut-être un petit peu, non? Ah bah elle fait elle-même, regarde. Lève le menton un petit peu, Lucia, pour pas avoir du savon dans les yeux. Quelle autorité, Thibaut? Mais c'est un sketch, il va falloir qu'on soit à deux. Le jour on aura un enfant quand même. Qu'en pensent les parents? Comment on se débrouille pour l'instant? Non, ça va, mais faut pas être tout seul, quoi. Ah ouais. Ça mousse pas du tout la bibou, hein. C'est un pH neutre, ça mousse pas beaucoup, ça. Ah, d'accord. Une sorte d'huile, en gros. J'aime quand on m'enduit d'huile. Tu sais pas ça, Juju, toi? Bah non, excuse-moi, je sais pas ça. J'apprends le même petit truc que toi, je te signale. Voilà. Et qui dit que j'apprends? Qui dit que j'ai pas déjà un enfant? Au secours? Non, j'ai pas d'enfant. T'es prêt pour sortir du bain? Les mains en l'air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Hop. Voilà, c'est bon. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon, à deux on y arrive. Tu vois? Elle est avec Juju, elle pleure. Et on passe à la suite. On va la sécher et on va l'habiller. Allez, c'est parti. Hop, on s'allonge ici. Voilà, la tête. Coucou. Elle se dit, mais c'est qui ce délire? Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? J'ai saucissonné là-dedans, moi. Cette vidéo va rappeler beaucoup de souvenirs à des nouveaux parents. Maintenant, on va lui préparer les habits. Alors, pour Lucia, on va lui prendre un body, un leggings, une chemise et un gilet. Ok. D'abord, faut mettre une couche. Mais si elle vous pisse dessus, vous allez comprendre. Ah oui, la couche. Ça, ça va être un gros moment. Tu la mets? Ouais, attends. La petite couche en dessous. Elle, tu discutes, toi. Elle t'as bavarde. Des choses à dire, hein. Coucou. Et là, comment tu mets une couche? Là, c'est comme ça, jusque ouais. Là on est bon, mais maintenant il faut rabattre ça, sauf que regarde, ça, ça s'enlève pas. Il met de la colle au pire, ouais. T'as pas à faire à souder? Ah si! Ça colle, ça ah, va. Ah mais c'est en scratch! Oui, j'en souhaite. Ça fait pas mal, non? Très bien, on va y de la couche. Le petit cul. Maintenant on va mettre le body. On la réallonge là, je pense. Non? Comment font les parents pour faire ça seul? Ah, c'est un métier, hein. Vas-y, mets la tête. Voilà. Attends. Allez, vas-y. Oh, elle le fait trop bien. Alors, voilà. Lucia, l'autre bras. Heureusement que t'es là parce que. T'inquiète. Non, je parlais à elle. Ah, bois. En fait, faut être à deux tout le temps. Hein. Non, mais oui. T'avais prévu de faire une vidéo de combien de temps, Thibaut? Là, du coup, la vidéo, je pense qu'elle va durer deux jours, là. Ah, c'est clair. T'y arrives? Oh là là, elle est pas douée. Tu me stresses, j'ai l'impression de partir en expédition. Tu viens explorer avec moi? Ça y est. Super. Oui. Allez, alors ensuite, je transpire. Non, mais moi aussi, j'ai vas-y, je lui mets. Sueur. Alors, les petons. Un petit peton. Oh oui. Et on va mettre l'autre peton. Mets-y du tien, s'il te plaît. Allez, tends les jambes. Ouais. Yes, mademoiselle. Magnifique, ça. On l'a pas mis à l'envers? Il y a bien l'étiquette derrière. Non, c'est bon. Ok, super. C'est pas super agréable, ça, Lucie. Hein. Bof, hein. Le petit legging, il est bien mis. Vous avez passé une demi-heure avant l'opération, quoi. Ensuite, on va mettre le haut. Allez, c'est parti. Ouais. Les muscles cervicales. Attention. Hop. Voilà. Oh. Bravo, princesse. Ah oui. D'accord. Ah ouais, carrément. Et de 1. C'est bon, on a fini. Un est le restant. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, il y a les 5 doigts. Attends, il manque sa veste. Vas-y, tac, tac, tac. Voilà. C'est presque bon. Et voilà. Là, vas-y, il faut jamais duer trop tôt pour m'habiller. Mission réussie pour Lucia. On passe à la suite. La journée est pas finie. Ouais, non. C'est parti, étape du bib. Comme c'est maman qui fait. Maman. Ça y est. Comme c'est tout le temps moi qui prépare à manger à la maison, je m'occupe du petit bib. Alors, 4 doses de ça. Du lait deuxième âge accompagne la diversification alimentaire. Est-ce qu'il y a des protéines dans le lait? Ah bah oui, je pense. Double les doses là pour qu'elle ait pleine protéines. Oh mais au secours, la pauvre petite, laisse-la tranquille. Et ensuite 4 doses de céréales. Donc ok, il y a la petite dosette dedans. Elle est trop jeune pour la muscu, tu penses? Mais t'as des questions. Maintenant que les 8 doses sont mises, on va monter l'eau jusqu'au 8ème petit trait sur le biberon. Prépare le biberon. Hop. Et parfait. Regarde-moi ce one shot. Si c'est pas nickel. Prête à être mère. Et maintenant des bêtises, jus. On shake. Juju, à la fin, dépêche-toi. Oui, ça arrive. Allez, à table, vite. Ok. Alors, du coup, tu prends comme une grande, c'est ça? Ouais. Oh, oh, bah ouais. Elle se débrouille comme une chef. C'est bon, le petit bibou. Oh, elle est trop belle. Ça va? Ça, c'est le genre de grand sourire qui, quand tes parents, si jamais elle fait une petite bêtise, tu fonds et tu pardonnes tout. Ouais. Regarde, tu veux pas les petits bibous? Les petits bibous. C'est moi le petit bibou d'habitude? Oui, et ben ça a changé. Elle m'a remplacé. Allez, on essaye? Voilà. Non. Non. Ok, allez, on passe à la suite. C'est parti déjà, on passe à l'activité. Jeu, jouer, éveil. Plaisir. C'est quoi ton jouet préféré, Lucia? Ça, c'est pour apprendre à faire la cuisine? You serious? Non mais attends, l'autre jour on était avec ma nièce, Thibaut lui a appris, le ballet c'est pour les filles. Elle venait vers moi en courant, elle était là, le ballet c'est que pour les filles. Je dis, non Lola, non, dis pas ça à 3 ans sinon c'est foutu. C'est pas vrai. Regarde ça, c'est rigolo ça. Alors, vas-y, oh c'est... Non, vas-y, non, vas-y. Ça s'enlève. C'est compliqué les jouets maintenant. Est-ce que ça ronronne un bébé? Mais non, ah. Mais c'est pas un chat, ça gazouille un bébé. C'est comment ça gazouille? Bah... Ah. Ça gazouille ça. Tu gazouilles bizarre toi.
Oh, là. Un chat, c'est un chat. Faut qu'on l'apprenne à parler. Regarde, répète après moi. Anticonstitutionnellement. Muscu. Biceps. On va voir les autres jeux que t'as. J'avais la même quand j'étais petit. Qui ne l'a pas eu, celle-là? Qui a pas eu cette girafe? Dites-nous en commentaire si vous l'avez eu vous aussi. Ça, c'est vraiment... Oh, elle parle. Tu veux être mon ami? Eh, hey, moi je propose l'arme fatale, Thibaut. C'est une chanson. Ah. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. On va la faire les maracas. Ouais, au clair de la lune. Mon poteau Pierrot, ouvre-moi ta porte pour prendre un... Non. Beau. 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 Il perd toute sa virilité, on remarque. Maintenant, on va mettre Lucia dans le trotteur. Voilà. Ah, voilà. Elle marche avec ou quoi encore? Elle court même. Elle court. Vas-y, ouais, on fait la course. On fait du cardio, Lucia. Ah mais ça y est. Oh, ça y est. Oui, ouais, voilà, ouais. Vas-y, 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 vas-y. Encore. Ouais. Bravo, ouais. Ouais. Bon, elle a fait un drift. On fait la course. Elle s'en fout. 1, 2, 1. Coucou, t'es trop belle. Ok les gens, c'est parti, c'est l'heure de la petite balade. On va la mettre dans son siège auto et apparemment c'est pas très facile. Sans déconner. On va faire du mieux qu'on peut. Ça va le faire, j'ai confiance. Là, tu mets pas qu'est-ce qu'on a mis dedans. Ouh là là. Là, sa ceinture en bas. Là, qu'est-ce qu'ils te font? Ils vont voilà. Faire glisser les jambes sous la ceinture. Vas-y. Elle veut pas avoir ici debout. Alors, elle veut pas s'asseoir. Je crois qu'elle comprend pas trop encore. Ah si. Il fout ses poches. Ça, c'est mon nez ça. Ok, voilà. Voilà déjà. Oh putain, je suis gainé quoi. On a fini presque. Voilà. Oui, vas-y, voilà. Vas-y, ouais. Oh là là. Oh, c'est sketch. Non mais attends, Thibaut, là, elle est pas attachée là. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. Là, on fait comme ça. Tac, et comme ça. Et là... Attends, et pardon, vas-y. Voilà. Et ben voilà, t'es prête pour la balade? Ok, c'est parti pour la poussette. Bon, maman Juju, au boulot. Mais je m'amuse. Alors vas-y, je tiens les ficelles là. Oula, dis donc, oula. On va se promener. On va aller faire une petite balade. Alors attends, comment ça se met ça? On met les petites jambes là-dedans, non? Ah non, les petits bras. Alors, un petit bras. Je panique. Voilà. Un deuxième petit bras. On met ça bien, voilà. On va passer pour des parents indignes. Voilà, alors c'est parti. Tiens, regarde. Oh, ouais. Oh, c'est la magie. On la promène tous les deux. Attends, voilà. Tourne. Tu sens comme on est après. C'est parti pour la balade. Pas mignon là. Est-ce qu'on a l'air naturel? Non. Vous êtes pas obligé de pousser à deux, vous savez. Mais on partage tout. Ouais, voilà, on fait tout à deux nous. Aujourd'hui, c'est regarde, l'épreuve. Comme ça. Ah oui, oh. Voilà, comme au soulevé de terre. C'est Valicia. Ils sont fous, hein. Allez. Petite balade des familles. Ça lui fait du bien un peu de prendre l'air. Si on va taper le pont incendie là. Ah non, au secours. Allez. On traverse. Voilà. Les jeunes auraient de bizarre dans les voitures. On continue. Dites-nous dans les commentaires comment on va devoir appeler notre enfant. Eh non. Oui. T'as bien aimé la balade? C'était cool. Ouais. Encore? Ok, je pense que elle a marre, c'est bon. Ok, déjà la balade est terminée, maintenant on range la poussette. Au secours. Regarde le galérer, Lucia, tu vas voir, ça va être très drôle. Oh là là. Ah, non. T'es en train de la démonter, gros, là, la poussette. Ah, il y a un truc, là, je pense. Oh. Et c'est plié comme ça? Et... Ouais, c'est plié. Et B, t'as vu ça un peu, t'as mis les forts. Ok, les gens, je crois que le drame est arrivé. Elle a fait caca. Qui a dit caca, kaki, collé au kiki? C'est la petite Lulu, Je suis sûr qu'elle va dire caca papillon. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. Mais alors Lulu, on fait des gros caca? Allez, jus. Ah, elle a fait beau caca. Elle a mangé des épinards. En plus, elle est lourde la couche parce qu'il y a plein de pipi dedans. Tiens, regarde ça, vraiment. Tape un sniff. Tiens, soupèse. Non mais attends. Soupèse, Gigi. Ah mais c'est lourd. Et ouais. Ok, qu'est-ce que j'en fais maintenant? Eh ben tu la plies, on va la jeter. Ah bah tiens, tu veux faire la collection? Il y a des petits morceaux. Voilà. Ok, super. Je pense que c'est pas mal là. C'est un boule. Et fais... voilà, à poubelle. C'est un... Non, arrête. Allez, à la poubelle. Je vous imagine trop, par exemple, plus tard, on va se jeter des couches à la figure. Et voilà. Ah, t'es belle ma chérie. Non, mais arrête. Ah, c'est dégueulasse. Et maintenant, on va mettre la couche sous propre. Il faut les suivre quand même un peu avant, non? Oui. C'est vrai. On essuie le cucu d'abord. Le caca, c'est... validé. C'est comme j'imaginais. C'est
ça pue. Voilà. Voilà. Mon petit bout. Ouais. Oh. Tu vas t'y mettre ou quoi? Oh, un jour, mais pas de suite. C'est parti les gens, on va nourrir la petite enfant. Dès 8 mois, maïs doux, poulet fermier, 35 secondes, au micro-ondes. Qu'est-ce que c'est que ce truc avec tous ces chiffres? C'est parti. T'es prête Lucia? On va manger? Hop, on glisse les petits. Voilà, jambes. Tiens vas-y. Voilà. Et hey. Eh c'est bon, on commence à être fort. On met le petit bavoir. Voilà, petit massage. Un petit bout. Ah, il est prêt chez vous. Le pot. Oh oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, la fin là. Oh là 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 là. On remue pour pas que ce soit brûlant. Elle te regarde là. Ah bah c'est moi qui ai le pouvoir de la nourriture là, t'inquiète pas que... Regarde. Ouais, ouais. Elle a... Ouvre la bouche. Prête. Oh. 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 C'est bon? Encore un peu? Allez, on fait l'avion. Mmh, ouvre la bouche. Allez, il atterrit. Ouais. Allez, une cuillère pour Juju qui adore la purée. Non, 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 tu peux pas ça. Juju, elle a pas du tout la purée. Allez, Juju. Oh, nom, 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 nom. Oh, oh, du bon. Elle mange tout le petit pot. Ouais, attends, et après, elle se tape une compote plus à yaourt. Où sont les poulards? J'ai faim. Tiens, tu veux essayer, Juju? Allez, à mon tour. Alors, je te fais poulet. On va voir si Juju est plus douée que Thibaut. Thibaut, elle en a mis partout dans la bouche. Et ouais. Bravo. Et tu vois, après, tu fais comme ça. Pourquoi tu fais pas ça, toi, à la maison? Non, mais ça va. Attends, il dit ça, mais... Oh oui, j'arrive, j'arrive. Pardon, attends. Je me fais plus vite. Oh, oh, bah non, mais tu lui as parlé en même temps. Du coup, la pauvre, elle a pas pris toute la bouchée. Attends. Oh là là. J'en mettais trop d'un coup. Juju a nourri autant le menton que la bouche. Je disais, quand on va à l'aéroport et que je prépare les tubes pour pouvoir partir en déplacement et tout, eh ben je le nourris d'abord lui pendant qu'il conduit avant de me nourrir moi. Hein, voilà. Maman? Maman? Elle va dire qu'elle va pleurer plus que rigoler. Manger, c'est la vie. Ouais, t'as vu elle. Elle est d'accord. Bon Juju, est-ce que t'es prête à avoir un enfant alors? Pour l'instant j'adore m'occuper des enfants des autres. D'accord. C'est déjà un bon début. Voilà. Oui. Mais je pense qu'on va attendre un petit peu avant d'avoir des bébés. On va attendre un peu? On va attendre un petit peu d'être un peu plus... Voilà. Un peu plus doué. Oh oui, oh oui, oh oui, attends, attends. On a encore beaucoup de boulot avant d'être parents, donc on va se concentrer sur Pichou, notre petit chaton. C'est déjà du boulot, et être parent plus tard, voilà. Ça viendra naturellement. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Thibaut en tant que papa? Eh bien j'ai trouvé très... Hey. Il a voulu prendre des initiatives, alors est-ce que c'était pour la vidéo ou est-ce que c'était... Non, 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 moi je suis quelqu'un d'investi. Are you trying to hurt my feelings? Et surtout, qu'en ont pensé les parents alors? Moi je dirais qu'ils ont été très très doux et très délicats. Ah, c'est gentil. Ils ont bien fait, ils se sont appliqués, il va falloir gagner juste un peu en rapidité. Ouais. C'est vrai. Là je suis carrément d'accord, il faut surtout qu'on arrive à être autonome, parce que si à chaque fois on doit s'y mettre à deux pour gérer notre bébé... Nous avons un long chemin à faire. On va s'entraîner, on va revenir chez vous régulièrement. On va faire des stages toutes les semaines. Oh bah alors. Et surtout, n'oubliez pas que vous, vous êtes les meilleurs. Maintenant la Team Shape, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne YouTube en cliquant sur ma tête juste ici. Regardez ma dernière vidéo en cliquant ici. Boum.